Dans le domaine chorégraphique, la palme revient évidemment aux fans de Michael Jackson. Il y en a chaque année, et dire que Bambi ne sait même pas qu'il a des admirateurs aussi doués. Vous n'allez pas chanter du Michael Jackson, si? Je veux chanter Darty, d'Anna de Michael Jackson. Parfait, c'est pas... Il a dit Darty, non? Oui, Darty, ouais. Never make mistakes, so take your weight off me. And now whoever moves, someone to dance on baby. I am a fever to need, so look deep in the eyes. She touched me, so to stop. She said, I am the one who will dance the floor on the one. She told me her name was Billie Jean, and she caused the scene. But every hate of being the one. Eat it, don't you, but eat too, I'm not gonna make it. Super, merci. She's more like a beauty queen from a movie scene. I said, Mabu, what do you mean? I'm the wind. Go dance one floor in round. What a man. Alors là, alors, je peux y aller? Bah ouais, vas-y. Génial. Oh, Steve. Un autre candidat avait lui aussi une manière bien à lui de bouger sur scène. C'était Steve Estatoff. Seulement, ce chanteur surexcité avait un truc en plus qu'on appelle le talent. Le vainqueur de la Nouvelle Star numéro 2 partait pourtant de loin. C'est avec sa guitare fétiche que Steve quitte la région grenobloise où il vit de petits boulots pour rallier le casting de Paris en stop. Et dès sa première audition, il se présente au jury avec son univers. Vous appelez comment? Je m'appelle Steve. Steve. Vous avez préparé quoi aujourd'hui comme chanson? Je suis venu chanter un morceau de Nirvana qui s'appelle Lithium. Ouais. Et vous avez chiant sans la guitare. C'est embêtant, ouais. Quand vous vous sentez, c'est à vous. Tu casses les miroirs, c'est tous les jours, dimanche matin. Je me rase la tête, j'allume des bougies, car aujourd'hui j'ai trouvé Dieu. Yeah, 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 yeah. Ah, je t'aime tellement que je t'ai perdu. On a la réincarnation de Kurt Cobain qui vient nous chanter un truc dans la langue de Michel Galabru. Et franchement, je trouve que... Oui, ça, c'est extraordinaire. On passe des bons moments. Là, ouais. Donc voilà. Je trouve que vos performances vocales sont plutôt bonnes. Donc je vais faire court et je vais dire oui. Marianne. C'est oui aussi. Et moi, honnêtement, bravo. Je ne sais pas si j'aurais eu les putes de faire comme vous devant et d'envoyer la sauce parce que c'est vraiment costaud. Alors moi, je vous dis bravo. Et en plus, je vous dis oui. Donc vous avez trois oui et vous allez à l'étape suivante. Mais pour mieux vous remémorer qui est ce chanteur sans concession, on pourrait dire qu'il est guitariste, mais aussi rampeur, sauteur, évidemment chanteur, smatcheur de pot de fleurs. Enfin, il débute. Bref, c'est le candidat le plus spectaculaire que la Nouvelle Star ait connu. Et tenez-vous bien, il n'est pas seulement insaisissable dans la vie. Souvenez-vous de ses prestations sur les primes, les caméramen de Baltar n'en sont toujours pas remis. Les primes avec lui, quoi. Regarde. C'est chaud. C'était lui qui est le plus... Plus que Christophe encore, lui, il a habité physiquement le... Ah, il avait l'espace, hein. Finale de Nouvelle Star ce soir est Steve. Pour ce chanteur trentenaire, le casting de La Dernière Chance s'est révélé être la chance de sa vie. Fini les concerts dans les bars, la capitale lui a ouvert ses portes.
En restant authentique avec ses failles et ses excès, Steve a réussi son pari. Après son premier album Disque d'or, il prépare actuellement le second. Ça va encore déménager. Super. Bravo Steve Astatoff. Franchement bien. Grand moment, grande saison numéro 2. Il est fort ce garçon. Il est fort. Tout ce qu'il chantait, il en faisait du Steve. Comme Christophe, aujourd'hui, tout ce qu'il chante, il en fait du Christophe. C'était ce gabarit-là. Hey, next. Ah, next.